Sorry for being a mess. I gave my best, but was too late. But was too late. Oh, yeah. We talk about this, can't forget. I'm seeing you in everywhere. In everywhere. Ah, je sais. Bah, salut vous! Salut les gens! J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau jour, nouveau vlog. Comme tous les jours de ce mois de juin, je répète, c'est un gros challenge. Alors je souhaite me valoriser un petit peu et me glorifier pour cet exploit. On n'est qu'au troisième jour et j'appelle déjà ça un exploit. Il est à peu près midi et demi, je crois. Toute la matinée, je l'ai passée à bosser parce que du coup, hier, c'était journée fériée. Mais aujourd'hui, le travail reprend. Mais qui dit qu'on est mardi, dit que c'est un jour d'Harry Potter, puisque depuis le milieu du confinement à peu près, TF1 a décidé de repasser tous les Harry Potter sur la chaîne en prime time à 21h le mardi soir. Ça fait donc... Il y en a combien ? Ça fait donc beaucoup de semaines que nous regardons tous les mardis soirs un Harry Potter et ce soir c'est le dernier. Donc un petit peu de nostalgie, mais en tout cas un jour d'Harry Potter c'est forcément une bonne journée. Bref, je m'évade. J'ai bien travaillé ce matin. On va voir ce qu'on fait cet après-midi. Je me suis préparée. Voilà, c'est à peu près tout ce que vous avez loupé. Oh là là ! C'est parti pour une nouvelle journée. Faut qu'on teste un truc. Attends. Allez, putain. Aujourd'hui, programme de l'après-midi. Nous allons tester un petit DIY réalisé par la mère de YouTube, aka Lina Situation. Mais c'est un DIY que vous avez sûrement déjà vu sur Instagram, sur TikTok, quelque part comme ça. Ce qui est pratique, c'est que Lina a fait une story à la une où elle a enregistré la manière de faire ce DIY. Donc, j'ai directement le mode d'emploi sous les yeux. Et ça, c'est pratique. Le concept du DIY, c'est très simple, donc ça veut dire do it yourself, c'est-à-dire fais-le tout seul. Si vous avez besoin de cours d'anglais, vous m'appelez, je viens chez vous, on s'entraide, il n'y a pas de souci. Ce DIY consiste à délaver un jean avec de la Javel. Ce jean est une pièce que je ne mets plus depuis très longtemps. Je l'ai acheté il y a 150 ans, c'est un Zara et je l'ai depuis des années dans mon placard, mais je ne le mets plus. Et donc, comme on est hashtag très écolo, hashtag très seconde main, hashtag on essaie de faire des efforts. Pourquoi je dis hashtag? Je me suis dit qu'au lieu qu'il traîne dans mon placard et que je ne m'en serve pas, on allait essayer de le remodeler un petit peu, d'en faire quelque chose de plus sympathique que je pourrais porter à nouveau. Mais comme les modes en ce moment sont un petit peu bizarres, le concept est simplement de délaver une seule jambe. J'espère que ça va marcher, je vous avoue j'ai un micro doute parce que... C'est pas un jean vraiment comme les jeans qu'utilisent les autres pour faire ce DIY, c'est-à-dire qu'il est pas... c'est pas un mom ou quoi, c'est un slim, donc je sais pas si ça va faire pareil aussi joli. Et en plus, il est pas vraiment vraiment foncé, donc le contraste va être moins important, donc je sais pas si ça va être aussi beau qu'avec un jean brut foncé, à voir. De toute façon, au pire, si jamais j'aime pas avec une seule jambe, je délaverai la deuxième jambe aussi et ça me fera juste un jean délavé. Mais j'ai bon espoir que ça fonctionne. Donc, je le répète, j'ai vu ce DIY sur le compte Instagram de Lena Situation, mais il est utilisé très fréquemment sur beaucoup de réseaux sociaux. Donc, je vous mettrai le compte Instagram de Lena dans la barre d'infos. Je vais également vous réexpliquer comment le faire, si jamais, voilà, ça vous intéresse. On ne sait jamais. Pour réaliser ce DIY, vous allez avoir besoin d'un jean, de Javel, de gants,
d'un sac plastique et de gros scotch. Commencez d'abord par vous attacher les cheveux si jamais vous avez les cheveux longs. On sait jamais, ça peut vous éviter quelques dégâts. On enroule la jambe qu'on ne veut pas décolorer et hop, ça part dans le sac plastique. Et on en arrive à l'étape du scotch. C'est la Théa du futur qui parle. Mettez vraiment beaucoup, beaucoup de scotch. Sinon, ça déteint sur la partie qui est dans le sac plastique en fait. Évidemment, mesure de précaution, ne pas faire ça dans une pièce où il y a vraiment toute la valeur de votre maison. Mettez des gants, faites attention à la javel, c'est dangereux en vrai, c'est pas un produit qu'on utilise comme ça à la légère. Une fois le scotch installé, étalez votre jean dans une baignoire ou dans une douche et l'on vient humidifier la jambe pour que la javel imprègne mieux la matière. Encore une fois, attention, la javel peut tacher et peut faire des dégâts, donc attention à votre décoration et demandez d'abord l'accord de la personne chez qui vous vivez. Une fois la javel appliquée sur l'entièreté du pantalon, on pense bien à ouvrir les fenêtres parce que le produit est toxique et on laisse poser pendant 2 heures. Ding dong, ça fait 2 heures. Je vais aller voir mon jean. Alors, je n'ai absolument pas été voir, c'est-à-dire que si c'est totalement foiré, je ne le sais toujours pas. Le suspense est à son comble. Il n'est pas du tout éclairci, je comprends pas. C'est moi ou il y a un problème là, parce que il n'y a pas du tout d'éclaircissement. Si ça n'a pas marché, je suis dégoûtée. L'explication est simple, c'est que j'avais un produit qui nettoie avec de la javel et en fait, je vous conseille à 100% de prendre de l'eau de javel directement. Allez, à la machine. Ça part en machine à 40 degrés, c'est parti. Et c'est la fin de ce petit DIY. Je suis dégoûtée, ça n'a absolument pas fonctionné. Donc soit ça fonctionne puisque j'en ai remis et dans ce cas-là, ça va fonctionner après et tant mieux. Soit ça ne va pas fonctionner et du coup mon produit n'a pas assez de javel dedans et donc il faut que je rachète un truc avec uniquement de la javel pure, que je le mette dessus pour réessayer. Il n'y a jamais rien qui se déroule comme il faut. Je viens de prendre ma douche. J'ai mis mes petites crèmes sur le visage et tout parce que si vous prenez le soleil, pensez à vous hydrater la peau, c'est très important. Et je vais pas vous mentir, je suis dans un mood de merde. Je suis saoulée, énervée, enfin saoulée c'est même pas le mot, énervée, en colère par rapport à tout ce qui se passe. Bon, je sais pas si vous avez suivi du coup hier sur les réseaux sociaux, c'était le Blackout Tuesday, je vais pas revenir là-dessus dans cette vidéo, mais en gros c'était une journée de solidarité pour les communautés noires, pour leur démontrer notre soutien contre les violences, les injustices, les discriminations qu'ils vivent au quotidien. Et voir tout ça sur les réseaux sociaux, des sujets qui me touchent à ce point, des injustices de société comme ça, ça me met hors de moi. Donc je pense que je vais faire une petite séance de méditation histoire de essayer de sortir de ce truc. Et ce soir il y a Harry Potter, donc ça va être une bonne soirée de toute façon, j'espère.